Les gars, hier, on devait être éliminés. Mais grâce à vous, on est encore dans la course. Tous les autres pays ont triché. Ils ont tous des pros. Ils ont tous triché. Ils ont tous menti à Riot, menti à Twitch pour avoir des pros. Mais nous, en France, on a les meilleurs streamers du monde de TFT, ok? Et ceux-là, ouais, c'est vous. C'est nous. C'est vous. C'est nous. Donc aujourd'hui, les gars, j'ai envie que vous jouiez avec le cœur léger. On s'en bat les couilles. Si vous devez all-in, level 3, vous all-inez level 3. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui. Prenez tous les risques. Aujourd'hui, on va battre les pros. C'est tout, on est très motivés. Merci, Kamel. Merci. Merci. Merci, capitaine. Merci, général. All-in aujourd'hui, niveau on 3. Va battre les pros. Pépogé. Imperdable avec ce discours. Par contre, le all-in de level 3, je suis pas sûr, mais... Non, mais ce que notre je veux game dire, a c'est... start, by the way. Ah, ok, ça a commencé, ok. Voilà, donc GL Aims Gotha. Merci, Kamel. Merci, Kamel. Jouer avec le cœur. Roll niveau 3. Très bien. Voilà. Cœur léger. Le cœur léger. Le niveau 3, je roll. Les gars, n'ayez pas peur. Si on fait top 4, personne vous en voudra. Comme ça, vous on va massacrer l'Italie. Voilà, vous y allez, tranquille. Point lourd, le cœur léger. Putain. Vas-y, bah du coup, on vous laisse concentrer. Près du cœur. GL. Bisous, bisous. Il est déjà parti. Allez, à tout à l'heure. Alright. Ok, on est parti. Let's go. Bah si, bah, attends, c'est la musique là. J'ai juré que moi je vais devoir mute ma VOD. Hein. Ah ouais? Ah, je pense. Hein, c'est pas moi, c'est pas. Tu veux quoi d'ailleurs? Arc, Scarner Arc ou cette belt? Je vais prendre cette belt alors. Ouais, j'étais loin dans tous les cas. J'ai le Tam BF, c'est cool. Oh, c'est super. Ouais, j'ai vu que les Italiens ils voulaient me deny baguette donc bon. Bon bah, c'est parti hein! Oui, non mais tranquille, on joue comme hier. Un peu mieux. Et c'est fini. Comme hier, mais mieux. Très bien. Ouais, comme hier, mais mieux, et c'est frais du coup. Let's go. Oh là là, le Zrot là. Alors, le Mimi. On n'a pas le Mimi encore. Warlord. Très bien. J'ai un Emerdinger. Ouais, j'ai deux Aimer aussi. Bien joué ça. thank you. Mais bon, je vais pas faire l'erreur de jouer comme un one head. Avec Tam Kench buff. Ça marche pas ça. Trop one head. Alors. Oh, le vilain start, moi, c'est genre, je pense, c'est Zrot. Hein. Oh, attends. J'ai un 3-2. C'est bien ça. C'est pas mal. Ok. Rico, il a déjà Nomsi. Oh, il y a déjà un Voli qui est sorti. Quart dans deux. Hein? Ouais. Oh, okay. Oh, la vilaine prismatique, putain. Putain, j'aurais dû prendre Sync. Bah, j'ai Sync Fast, j'aurais pu roll 7-3 rapidement. Mais j'ai pas tilt. Je vais prendre Cybernetic Shell. Ok, moi je pense que je vais prendre Radiant. En fait, j'ai Cavalier Unity, mais bon, beef bof quoi. Ah, quoi. Oh, ok, j'ai Tristan. Je suis très bien. Warlord, t'as dit le Mirage. Oui. Bon, pas les items. Hein. Petite Radiante là. Oh. J'ai un Radiant TG. Nice. C'est pas mal, hein. J'ai pas de son du jeu par contre. Ah oh, putain, je te prends de la paix. Mmh.
T'as le son de ton jeu, Jones? Oui, oui. Ah, et bah moi j'ai... Bah moi j'aurais sans son Miami, apparemment. Ouais. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit au son du jeu sur... C'est pas grave. Merde. Il y a une Radiante chez Urgot, mais j'ai même pas vu ce qu'il avait, j'ai explosé son board. Oh, build different toi pour Rico, je push pas 5. Hein. Ok. Quelqu'un a une Spat Mirage. Garde triste. Putain, Spat Cavas qui peut us. Il est bien. Build Leaf. Toi, t'as eu Gangan Radiant, j'avoue que c'est cool. Ouais, ouais, le Gangan Radiant, mais super bien. Chaîne 2. Oh, il a eu QSS Radiant sur Volibear, c'est pas vrai. Bon, en vrai, je pense que c'est vraiment pas si fort. Hein. Non, mais le truc, c'est qu'il avait déjà QSS en plus sur le bench. C'est genre vraiment pas une bonne idée ce qu'il a fait. Peut-être pas eu le choix. Hein. Ah, il y a 5 choix quand même, non? Peut-être qu'il avait genre. La Whisper Radiant, DB Radiant. Bah, je pense qu'il y avait une bonne option quand même. Oh, le Aatrox, la Gangan Radiant. Incroyable. J'adore. Bon. Moi, je vais pépé chill. Mais vraiment, ouais, on joue pas aggro parce qu'on pourra pas garder la chain win contre des gens. Ouais, ouais, contre le build div de Rico. En plus, il a une Ginso. Ah ouais, sur Karma 2. Ouais, 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 c'est vraiment probable. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, je vais faire 10 gold du coup. Yep, pareil. C'est Jade ou quoi ça? Donc Jade, Voli. Toi, tu as une direction à peu près? Tu dirais Jade plutôt? Oh, moi je suis flex. Flexing? Ouais, ouais, ça joue flex ici. Je suis juste des gold. Je tag Rico. Ouais, bah c'est. En fait, le truc, c'est que j'ai bien un. Bien le taguer maintenant. En vrai, c'est le meilleur round parce que t'es en 2 victoires. Tu vas faire. Mais tu sais que je le bats, hein? Tu crois? Mais j'ai Aatrox, Radiant. Ah oui, 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 d'accord, ok. Oh là là, c'est la Dvarapala Stone Plate. Oh, Dvarapala. Ah oui, non, effectivement, c'est trop bien, Red Gun. Yeah, oui. Oh là là. Bah, nice build diff, hein. Genre stacking BP. Joueur pro, hein. Good loss. Good loss. Il a moins 8. Ok, 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 good loss. Copier. Moi, peu importe. BT, c'est bien, mais voilà quoi. Mais il va go Volibear avec un stuff éclaté, genre. Oh, l'arc 3 gold, il est légendaire. Ah, vas-y, hein. Je me demande si je reprends pas Gant 3 gold, moi. Ok. Je slam Calice, genre. Allez. Parti. Moi je me demande si je fais Titan ou Last Whisper Tristalin. Attends, bon, on va regarder les augments, mais genre en fait il y a un mec qui va jouer légende, donc à tout moment il rentre des Kava, tu vois. En fait là il y a déjà plus un Kava. En fait, il y a Cybershell plus un Kava. En vrai, si tu veux jouer de l'AD, ça a l'air stylé. Hein. Parce que là j'ai peut-être plus envie de jouer Idas. Non, Idas, ouais, ça... non, mais Idas. Mais bon, je peux hold aussi. Je vais juste mettre l'arc sur elle, on verra. Non, c'est bon, c'est bon. Je reste flexible. Que moi, je suis très très flex. Hein. Yep. Je pense que j'ai juste Snowball, aller jouer de la paix. Profite, profite. Hein. Oh, c'est vrai que le Gangor Radiant, il est quand même fou furieux. Hein. Non, mais en plus, surtout sur Aatrox 2, oh. Quoi. Genre, l'unité, il rigole ouais, pas. Ouais, non, c'est trop, trop bien. J'ai pu slammer un petit Zrot, parce que tu vois, en fait, en gros, soit je slammer Runan, et c'était mon Orly, il était trop bizarre. Soit je slammer Zrot, puis bon, du coup, je joue une streak. Ah ouais, profite. Hein. Bien. C'est qui que je bats, là? C'est moi. Ah! Désolé! Oh, ça s'est mal goupillé, j'aurais pu faire une good loss, hein, ouais. Ouais, désolé, désolé. L'idéal, ce serait que je tag skip à eux, c'est que je le batte aussi. C'est qui a Chimion Scale, genre, que je... Bon, j'ai une petite game Shimmer Scale qui part là.
Ah, je vais tout garder, je pense. Sur un lobby prismatique, je pense que tu peux pas te rendre trop faible. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 paires. Si je vends des options, je vais me faire allumer. Attends, mais je tag genre 4 brawlers, une Sunfire. Ah non, il a best friend. Bah, super drôle. Ah. Ouais, il y a beaucoup de T2. Je fais un micro misplay, mais je pense que ça me coûte la streak malheureusement. Il y a tellement chez lui. Ah, aussi. Fuck. NP, NP, j'ai beaucoup de gold, c'est juste. Mon Gangan était pas très bon pour l'affronter. Bon. Ouais, toi t'as Cyber Shell. Morceau de Siphon. Ouais, j'ai vu déjà, c'est ok. Même si. C'est parti, hein. Ouais, je joue Siphon, j'ai Titan BT. Ah. Roll Lulu Tristana. Mais je sais pas si ça joue. Tag skip à eux, ça. Skip à eux. En fait, j'ai un bon gangan sur mon Atrox pour l'affronter. Ah, le problème, c'est qu'il y a une Ginso Nunu, quoi. Une rédemption. Trop de Kava, genre. Elle va me faire croquer, je crois. Oh. Oh, attends, attends. Oh oh! Ça passe? Je sais pas. Ah, je pense pas. Il y, a... ouais, y a une Ginso, une BT. Enfin, c'est trop. Oh, Titan BT cavalier. Bon, un peu grinch sur son board. Pourtant, j'avais du Shred des mers, mais. Oh, c'est bien ça, weak spot. Vas-y, moi je prends Cyber Shell là. J'ai pas trop envie d'hésiter. Ouais, je crois que je vais devoir open jusqu'à Siphon. Hein. Oh, j'aime pas les games comme ça, mais c'est quand tu joues Nomsic, t'as pas d'upgrade naturel, donc... C'est... Je suis d'accord que c'est genre un peu bizarre. Je peux pas, je suis bloqué là. Bon. Tant pis. Je vois pas comment j'aurais pu la jouer autrement. Putain, j'en ai pas une comme ça tout à l'heure. Non, moi j'ai lâché un petit roll et j'ai pas eu de 2 stars, j'ai pas eu. Comment ça s'appelle ? J'ai pas eu Shimmer Scale alors que j'en avais 2. Qui me manquait quelqu'un. Ouais. Après, tu vois, j'ai 40 gold et mon board tue des trucs. C'est fine entre guillemets. J'aurais pas assez d'argent pour le level 7. Ah, oh, mais on clean pas, putain! Y'a beaucoup de heal dans le lobby, by the way. J'en vends beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai weak spot. Du coup, je suis assez content. Oh, c'est giga bien. Putain, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Allez. Hmm. Ouais, t'as BT Titan, t'as un Gangan qui à mon avis sera stylé à récup, mais bon, à mon avis t'open encore 3 rounds, c'est pas grave, tu joues à 30 HP, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça va être 20 HP all-in. Mais ça fait chier parce que j'aime bien avoir ouais, des games snowball et là je suis une dégueulasse de...
Bah en fait, le truc, c'est que la game, elle est trop dure à jouer parce que... C'est un lobby Prisma, tu vois, et t'as l'Augment qui permet pas de winstreak. Moi, je suis quand même en 3 défaites, avec un Gangan à Atrox 2. Ouais, les boards en face sont vraiment meilleurs, quoi. Joueur prodif, j'imagine. Oh, MJ. Est-ce que mon Atrox peut le faire, genre? Non, je crois que je regagne contre Rico parce que je roll une Varapala. Ah, le pauvre, un peu plus. Ça fait 2 fois que je lui fais la truelle. Varapala. Boum. Allez. Allez. Gangan, on fait quoi? On fait Hoge sur Siphon, idéalement. Spat. Hoge, chaîne. Sinon, tu peux juste prendre peut-être un. Ouais, non, tu peux prendre un chaîne, tu peux prendre un Horn, tu vois. Ça fait beau, genre. Moi, je pense que. Je vais me prendre un petit spell crit, moi, genre. Hop là. Un demi spell crit, mais. Il me faut de l'offensif. Là, il me faut un Morello, il faut de la baguette. J'ai une armure, mais je sais pas trop quoi en faire, quoi. À part une gargoyle, un truc du genre. Ok, j'ai une Triss 2. Ouais, si. Je pense que je vais pas level up ici parce que j'ai pas envie de te tailler et de te mettre genre une grosse défaite si je level up. Je fais ce que bon te semble. Tu les gâches pas. Je pense que je vois pas les autres anyway de toute façon. Ok. Mais Zayz il a une faune, genre. Ça va? Et le taunt du Zrot. Oh nice, le taunt du Zrot. Ah, mais il y a des games comme ça où. Ouais, je suis désolé, là, je suis non, un peu désabusé oh, de du start parce que. Genre, si là t'as un start qui est pas mal, tu vois, t'as une bonne augmente dans le lobby. Et le problème c'est que les prismas, genre. Il suffit que t'as un truc un tout petit peu trop déséquilibré, t'as genre aucune option. Pas ta faute, hein. Vas-y, Atrox. Atrox 2, 3600 dégâts, by the way. Je n'ai pas encore trouvé de warrior de la game. Tu vois, là, tu vas reprendre une petite Lost, tu seras à 25 HP, c'est genre... C'est pas affreux, tu vois. Ah bah. Juste, t'auras vraiment pas le droit à l'erreur sur ton rolldown. Agreed. Tu peux pas, genre, louper un truc, tu peux pas, genre, faire ça en deux temps. Mais si tu réussis, c'est tranquille. C'est qu'il y a un mec qui va jouer Voli, je pense. Ah, quoi, non, il y a un mec qui joue chez Oyu. Genre, Urgot, il va pivot, il va jouer chez Oyu. Du core kick est sorti, il y a beaucoup de... ça a beaucoup joué déjà, genre, ça c'est sûr. Déjà, oui. Ouais, ça joue du déjà. À blinde, hein. Au moins 2. Non, ne tuez pas mon homme si. Ok. Ouais, la kick. Malheureusement, je tag Ging, son board est trop strong pour moi et genre 1000 briseurs avec de l'AS et de l'armure, genre. C'est trop. Bon. Allez. Après, moi je suis très très riche, donc à tout moment, si j'ai un peu de gold, je skip le set, mais. J'ai envie de Dragon Alliance là, Ward. Ah, j'avoue que je peux rien faire contre ces boards là. Oh, j'ai Stéphane, mais tu veux que je le vende? J'ai pas d'item pour le jouer. Ah, moi je peux que jouer ça en tout cas. C'est quoi? Moi je vais jouer autre chose, genre. Ça ne m'embête pas le moins du monde. Je suis en all-in total. Mais ouais, non, mais écoute, c'est la vie. Hein. C'est les games mystiques. Tu vois, c'est ok. Ouais, non, mais en plus, j'ai regardé vraiment mes shops, j'ai essayé de considérer mes options. J'ai stacké un sim. Prisma diff. Moi je pense que je vais prendre une baffe, tu vois, et level up sur mon augment. Cher,
On jeta Durgot qui a natural Shiyu alors qu'il a open Shiyu. Bien joué. Ah, t'as trouvé Shiyu. Nice en vrai. 13-20 gold en plus. Ouais, mais il faut que je continue à stab. Hein. Ouais, je vois. J'ai Sylas 2. J'ai une paire de Corki qui dort donc il y a peut-être un truc à faire. Ok, moi je vais prendre encore une bave. Je pense que je vais jouer à genre 50 HP, ce sera fine. Oui, tu peux. Oh, ça... Ah, je peux genre soit prendre Plink, soit Gamble. Mais j'ai pas envie de Gamble Dragonheur ou Alliance alors que je veux Plink. Je pense que c'est du trolling. Hop. C'est quoi, moi j'olinerai une fois que je t'aurai tag, genre. Allez, vas-y. Pas de raison d'all-in, de toute façon. Ah, vous savez que j'ai Corki 2. Mais non, je vais pas virer d'MC maintenant. Je pense que je vais aller prio Archange, moi d'ailleurs, au carreau. T'as pas besoin de baguette? Non. Ok. Oh, c'est toi. Oh, le dodge qui me met super bien. Oh, t'as beaucoup de dégâts sur ton board, genre. Corki 2. Mais je sais pas comment le jouer. Ouais, j'ai beaucoup là. Ouais, non, mais je sais pas, tu fais genre une petite Ginsu, un truc du genre, n'importe quoi. Je pense que je joue pas 3 alors. De quoi 3 bah, 3 Nomsi. Ou ça se joue avec Corki 3 Nomsi. Les levels combien t'as Nomsi? 2,5. Enfin, elle a pas passé 3 là. Pas si mal, mais. Mais tu veux pas, genre, rentrer Hammer over Jinx et. Tu penses, ouais. Bon, en fait, en gros, genre les match-up où c'est bien, genre notamment le Shoyu en face, il a une QSS, tu vois. J'aime bien rentrer ça si j'ai. Ouais, tu vois, tu rentres 3 trainers, t'as Nomsi au prochain tour, elle est. Ah, mais non, t'as l'U1. Ah, si ça stackait au prochain tour, c'était stylé, tu vois. Et là, genre, tu peux aller potentiellement chercher une Jinso Corki, tu vois, avec la baguette. Ok. Je pense, hein. Ouais, non, mais je t'écoute, hein. Important. Moi, il me faut absolument Archange et que je trouve n'importe quel dragon AP. J'aurai beaucoup de gold à roll. Oh, la charge, là. Il y a des dingueries sur les bords adverses. Eh, hey, c'est Gilzo dans le gangan pour Olaf, arrête. Oh, arrête. Bien ça, sûr. Non, non, pas ça quand même. Ouais, ça c'est injuste. Ouais, bah ouais, on est passé d'un Olaf pitre à un Olaf qui nitro carry, quoi. Oh là là. Et je pense que le but pour toi, ça va être de jouer top 7. Hein. Ouais. Prendre la zozo. Si elle te met bien, go, sinon moi je la prends. Je peux te la cover. Ah, prends-la, il la veut peut-être, je pense. Ouais, non, je pense prends-la, prends-la. Ah, bon, vas-y, prends-la. Non, mets-toi bien, moi, je suis mort. Ah, je t'avoue que la petite Zoé, là, elle met super bien, genre. Je veux juste pas qu'il l'ait, et dès qu'il a couru sur Corki. Ah, il faut que je roll, hein. Ouais, je pense que tu dois roll à 0. Hein. C'est peut-être un truc T2. Après, roll ou... J'ai pile les goals pour rentrer un Himmer sinon. C'est pas mal. Parce que j'ai vraiment rien à roll, hein. C'est bon, tant pis. Oh, let's fucking go. Ouais, c'est... Tu fais Shio 3, tu penses que t'es stable et t'es pas stable. Ça suffit pas. Ouais, j'ai désolé. J'ai pas su trouver la solution. Ça fait plusieurs fois que je joue les games stack Nomsi, into je perds. Ça arrive plusieurs fois. Quand je joue pas genre normal, snowball, je perds tout le temps.
Un peu prismatif aussi, ce lobby, tu vois. Ouais, je me suis fait... je veux dire, là, j'étais un mec, il a genre Dragon Alliance et une faune. Je suis en mode, bon... super. Ouais, je vois difficilement ce que je rentre d'autre sur mon board, genre. J'ai un Aoshin, mais je suis pas sûr que ça joue. Hein. Ouais, merci les gens. Ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est totalement osé. T'inquiète. Alors, comment on peut faire ça? Ah, je t'avoue, la Zoé, elle met super bien. Genre. Ouais, mais tu vois, j'en sais rien que je l'emmène dans la tombe, c'est toi, tu peux jouer. Oh, si je peux aller chercher un calice, je pense. En fait, là, j'ai une Shyvana Gangan Radiant. Je pense que c'est vraiment mille fois mieux qu'un Aoshin. Ouais, t'es bien là. Je suis ok, mais j'ai peu d'HP, tu vois, et j'ai pas trouvé de Soraka. Pour genre scam un petit peu. Puis j'ai Nico 1 en front. C'est moyen. D'accord, 20 gold. Ouais, non, ça va ça. Madame si elle a bien stack, j'ai deux paires de trainers encore à trouver. Oh! Attends, mais j'ai une dinguerie. Regarde ce que j'aurais dû faire. Genre, Calice, double archange, genre. Et Bramble Nico. T'as cybernétique, oublie pas pour répartir, si besoin. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah, j'ai uplink en plus. Peut-être il forge une armure. C'est sûr, même. Oh, je pense que je vais faire Zoé Spellcrit Espi. Non, c'est Zoé Spellcrit pour vraiment genre... Ah ouais? Mais... Ouais, je mets des turbo one shot comme ça, genre, où je fais des... Il y a des vilains spells chez Zoé, je trouve. Par contre, ce qui serait vraiment super sympa, c'est d'avoir... Bah moi, j'aurais plus fait Shroud, Tyr, Heimer pour le stun et... Ah ouais? Mais bon, fais ce que tu sens. En tout cas, c'est clair que c'est pas Loket, donc c'est soit... En tout cas, je voyais bien genre split armure tir pour Nami et Hammer. Spellcrit Zoé, c'est pas incroyable parce qu'elle a un ratio plus faible en 3 mages et elle a pas tant de spells offensifs. Mais l'archange, ça lui donne beaucoup d'AP, je pense, et elle a du cast. J'entends en tout cas. Vas-y, fais ce que tu sens. Je me turbo trust. Vas-y. Par contre, le problème c'est que je suis stuck sur genre. Comment ça s'appelle ? Je suis stuck sur Nico 1 là. Chiant en fait, ça embête tout le monde. Petite Sunfire Radiante. Yasuo il me prend tout. Ça brûle dans tous les sens ici. Oui. Hop. Ok, ce serait bien que Zeiss y sorte. Il sort. Ah non ? Ah non, il y a le lit. Ah quoi, attends. Tu sais, à tout le monde, Yasuo, exec. Oh, s'il te plaît, non, Yasuo. Trop nul son Yas. Fuck. Oh, les items de ma chiffre sont incroyables, par contre, genre. Ah oui, putain. Alors, Rico. Mais Rico, ce qu'il a, c'est illégal, genre. Ah mais Rico il joue Nico, il a père Nico. Ah, les deux Italiens jouent Nico genre. Le board est pas trop mal, je pense que je suis très très bien placé ici, j'ai beaucoup d'AP sur ma chine en fait genre. Un Zrot encore pour tempo. Nomzy 3 qui va cast. Les gars sont pas mal. Tu tank la première vague, Zoé est pas morte. Faut juste pas mourir maintenant. Oh. Et c'est quoi le mirage en fait? Pourquoi il s'est heal? Ah, second souffle. Intéressant son board. Intéressant. J'ai de l'anti-heal, il s'est quand même heal, ça me détruit genre. Faudrait vraiment Nico 2, mais bon. Ah, j'ai roll comme Jaja et je vois pas de Nico. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a 8 quoi.
Non, mais il y en a beaucoup de sorties, c'est normal, mais. Je vais pas mentir, c'est trop cringe. Okay. Ah, hashtag le plus fort. Dommage. Il vient de perdre, lui. Ah, mais il est en 5 à 20. Et il a Oshin sur tout le genre. Après, j'ai roll un zap sur ma. C'est pas mal, ouais. Shyvana. Il y a un monde où je suis tout ça grâce aux zaps. Zoé. Zoé, fais un truc, je t'en supplie. Ok. Oh, ça va jouer attends, rien. Le zap. Le zap. Le radiant zap. Let's nice. Go, Shyvana. Ok, c'est fine. Mais ils peuvent perdre les autres ou. Ok, Urgot qui sort. Pile poil. Non, il va rien faire. Oh, c'est pas vrai. En plus, il y a Starcolor. Non. Qu'est-ce que t'as stop Zoé, toi. Kalice ou je fais Yozoe ou Edge of Night. Sinon, il y a Warmog Nico. Non, mais en vrai, je pense que c'est Shyvana, mon carry. Je me turbo trust. Ouais, Kalice. Je me turbo trust, c'était genre juste triple Kalice, Lulu. Très bien. Instant cast. 100% d'accord. Non, mais sinon, il y avait des bons trucs, tu vois. Il y a genre Warmog Nico, c'était très très bien. Gargoyle aussi, je pense. Yozoe, c'était un peu ambitieux. J'ai juste bougé de l'autre côté. Allez, je trouve deux Nico dans un rôle. Oh, attends, j'en ai une. Mais pas deux. Ah. NP, ça arrive. C'est tac qui là comme on dit. Je taxe soit le mec à. Je taxe soit, ouais, Urgot, soit. Mais Urgot, il a tout trouvé, genre. Mais je suis où, hein. T'as qui? Oh mais je t'ai Ging, FF. Encore ah. Un 5k va. J'ai pas de zap cette fois. T'as oh il a pas bougé. Pourquoi il bouge pas? Oh bah Zoé qui met un ult. Le rat de Morello. T'as raté le... Il a raté le... L'ulti stade de Shyvana. C'est fini. C'est fini. Bien joué à eux. Ils sont 3 sur déjà. Les 3 ont déjà 2. Je peux pas jouer. Un peu de chance, il y en a qui sortent. Non merde, le dernier il sort pas. Mais l'autre il tape mon gosse sur God et il va gagner. Bah Zoé a mis un nul dans une... Ah en plus c'est close. Je, je jure que genre oh, j'ai le démon de cette game, y'a rien dedans genre. Je ne peux pas plus le roll et toi non plus. Putain oh, c'est si cringe. C'est dommage. Ah mais les autres, regarde genre, le mec qui a 2 HP, il a eu fun au stage 3. Il a tout. En fait, il n'y en a aucun qui a le rôle. Le mec qui est là, qui a 4 HP, il a Sora K2. Ouais, je vois ça. Allez, Gotha fait top 8 autres, aussi. Jouent... Aïe, 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 aïe. Regarde, les autres forcing déjà, les deux ont déjà 2. L'autre a Oshin. Ouais, je pense qu'on a juste le rôle cette game. Ouais, mais pour une raison qui m'échappe, il y a 4 joueurs qui ont Yasuo dans le lobby. Je ne peux pas. Je vais regarder la game d'Amiso en même temps. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Apples. C'est la vie, c'est la vie. Kameto discours diff. Non mais après tu vois genre... si toi comme moi on est sur une compo non contest, que les autres se contestent tous sur leur compo et qu'on est les seuls à pas toucher, ben... Faut qu'il n'y a pas d'option quoi. Non mais vraiment il faut que j'apprenne parce qu'à chaque fois que j'ai start Nomsi, Lustric Nomsi, je n'arrive pas à gagner. Voilà, c'est les 3 games qu'on a faites aujourd'hui, les deux ensemble. J'ai eu à chaque fois la même chose. Et je pense que j'arrête de me faire bait par ça. J'arrive pas à le jouer. Nomsi, Lustric, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Possible. Je trouve pas Siphon. Il y a un truc qui cloche, quoi, tu vois. Après, voilà, genre, le truc, c'est que si tu rolls 70 gold, que tu ne peux pas avoir ton carry en one star, peu importe la compo que tu joues, tu vois, y a pas d'option. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que j'aime le jeu non plus. Donc... Oui, non, mais je comprends. Là, c'est en dehors de low roll, c'est plus. Enfin, tu vois, que je n'ai même pas joué un plan de jeu intéressant, quoi. J'ai subi, j'ai low roll et. Non, c'est très frustrant. Mais je crois que ton erreur vient du fait d'essayer d'aimer le jeu au 7-7, quoi. Non, mais faut pas dire ça. Non, mais je dis les choses comme elles sont, quoi. Mais non. C'est pas grave, même très bien, demain, mais. En fait, j'aimerais regarder mon replay, mais je crois que j'ai pas sauvegardé. Normalement, je sauvegarde les replays, mais je crois que j'ai fermé le logiciel sans faire exprès. Oh, attends, mais du coup, moi, j'en profite, je vais relancer mon client lent de tournoi parce que je n'ai pas de son. Ah oui, bonne idée. Ton erreur, c'est de jouer au jeu.
Est-ce que tu penses qu'on a le temps de mettre en anglais? Pense, hein. Ah, je vais tout fermer, même. Je vais lancer vite faire en anglais. Non, mais vous inquiétez pas, hein, les gens. Ça peut arriver, parfois, de mal démarrer. Bah... Franchement, là, ça peut pas être pire, mais en fait, si nous, après, on fait des bonnes games et eux font des mauvaises games, ça va s'équilibrer, hein. Il y a assez de games, hein. C'est juste qu'il faut pas en faire trop comme ça, mais... J'ai arrivé plusieurs fois de comeback malgré un mauvais start. Faut l'accepter, juste. Alors, on joue contre 6 joueurs pro et on a une... Enfin, toi, t'avais une Radiante qui est genre... T'étais très, très dur à jouer, tu vois. Moi, elle m'a pas carry assez et... Les plus faibles avec nous, c'était un mec qui a Fawn au stage 3, naturel, tu vois. Et un mec qui a Soraka 2 au 8, alors qu'il y a déjà une Soraka 2 de sortie. Le lobby était genre turbo high roll. Il n'y a pas d'option. Ah, oh, j'aimerais tellement regarder la game. Je pense que je vais regarder mon replay en vide def. Là. T'avais quoi en Prisma, t'avais quoi comme option? Le troisième, je pense que c'était un truc que je pouvais pas prendre. Je vais te dire avec le replay. Le deuxième, j'avais Think Fast. Et Think Fast, j'avais un set, tu vois, ou deux sets peut-être. Je me suis dit, ah, peut-être que je peux roll set très rapidement. J'ai regardé mes items, j'ai fait, ah, et j'avais déjà 10 secondes de retard, tu vois. Ouais, je vois. Et non, j'ai pas gamble ça, donc... Je pense que t'as fait le bon choix, hein. Vas-y, je reviens dans 5 minutes, juste regarder le replay sans spam non plus. Ouais, je t'en prie, t'inquiète. J'arrive, ouais. Ouais, je me suis mute juste pour regarder le replay, les gens, parce que je suis assez frustré de ma performance là, sur cette partie, sachant qu'on a fait quand même des bonnes games aujourd'hui. Donc, je me sentais plutôt bien, donc c'est vraiment un truc que j'ai dû faire qui m'emmène vers une impasse, quoi. Et si on arrive à la cibler ensemble, ça peut être vachement cool. Parce que, de ce que je remarque, c'est trois fois... En trois games de Twitch Rivals... Parce qu'en gros, sur les games de Twitch Rivals, j'ai fait 6 games de Twitch Rivals. J'ai fait top 3, top 4, top 4, top 2... Top 8, top 8. Les deux top 8, c'est Jaimer 2 en early, Tristana. Et un top 4 que je sauve avec cette compo-là. Ou top 3, là, où je sais pas quoi. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que quand j'ai cette sortie-là, je perds. Parce que j'estime être un bon joueur, je pense que je peux les battre. J'essaie de comprendre pourquoi ça m'emmène vers une impasse. Je dois faire un mauvais choix, je dois mal voir un truc. Là, je vais regarder cette game absolument, quoi. Parce que sinon, je vais refaire la même chose à chaque fois. Donc là, j'ai un start BF. Qui dit BF dit AD. AD dit physique, etc. Donc là, bon, je prends Immerdinger, parce que je me dis, si j'ai Tristana, c'est cool. Là, j'ai 2-7, ok. Et là, bon, malheureusement, j'ai deux box injouables. Bon, Elise et Lee Sin, c'est vraiment très mauvais dans la méta. Je garde Lee Sin au cas où j'ai 2-3 karma, et dans ce cas-là, je peux jouer avec du stuff 7, etc. Donc là, alors, dépipé, voilà, c'était dépipé, je pense que je peux pas le jouer. Ça me paraît très risqué de jouer dépipé. Think Fast, c'était possible, et je jouais 7, dans ce cas-là. Et il y avait une carapace cybernétique. J'ai regardé au niveau des... Cybernetic Shell, c'est un average plus. Donc j'ai pas une mauvaise augment. Donc je pense que c'est très bien de prendre cybernétique. Reroll le prisma. Bon. Dépiper c'est broken sur timer, t'as nom si super vite. Peut-être c'était ça aussi, hein. Peut-être dépiper fast timer, je sais pas. Mais je pense que mon choix n'est pas mauvais. Il peut y avoir deux autres choix. Et là ouais, j'ai Tristana et Aimer 2. Ok, à partir de là, je me dis quoi? Plusieurs options s'offrent à moi. Vu que c'est un lobby prismatique, je ne veux pas trop économiser, chill, et rien foutre. Donc je suis obligé de suivre un petit peu le tempo de la partie. Donc je push brawler.
Là, je pense que ma répartition d'items est correcte. Encore une fois, si vraiment vous trouvez qu'il y a un énorme truc que je vois pas, n'hésitez pas à me le dire. Je peux pas attendre level 3, me prendre moins 10, en prismatique, c'est mort. Parce que les gens ont soit trop d'objets, soit ont une faune, soit ont des... BF triste, Gans Carner. Non. Qu'est-ce que je gagne? Non, parce que j'en parlais avec Aimso hier soir, et Aimso me disait qu'en gros, Tristana, ça semble que t'as un petit peu de mal à enlever, parce qu'en fait, une fois qu'elle passe 2, tu ne veux pas juste la vendre, parce qu'elle permet de stack Nomsi indéfiniment. Et du coup, si je veux jouer BT Titan Siphon, en tout cas si c'est l'option numéro 1 que je choisis, du coup il faut pas que je mette de moitié de BT Titan sur Siphon. Donc là, on regarde nos options, et je me dis, bon, dans tous les cas, je vois des cavaliers, j'ai un gant sur une Tristana, donc ça peut très vite partir en Last Whisper, et je joue Corki Aidas, quoi. C'est moins fort, mais c'est tout à fait une option. Parce qu'en plus, j'ai pas de paire de Tahmkench, j'ai pas de paire de Skarner, alors que j'ai une paire de Leona et de Thresh. L'erreur se joue là. L'erreur se joue là maintenant. Dans les prochains rounds. Donc là, ouais, je joue, je gagne encore un round, ce qui est merveilleux en vrai. Deux rounds gagnés, sans PV. Sauf que là, je regarde le lobby en scoutant, je me dis, le lobby est fort, donc je risque de perdre, donc je vais pas aller chercher la victoire. Donc je peux pas vendre paire de Tristana. Je ne décide pas de pré-push, c'est mon choix. Ezreal, ça sert à rien, Sejani, ça sert à rien. Donc je peux faire 10 gold et garder 2-3 trucs. Dans les champions qui sont là, il n'y a rien à garder. Bon, j'aurais pu garder paire de Taric et Overthresh. Bon, admettons, là je me prends mon premier moins 8. Je vois pas comment je peux l'éviter. Carousel. Je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire que l'arc 3 gold, j'ai high roll. C'est un des meilleurs choix possibles. Je pense que tu devrais te diriger vers une frontline guardian vu les paires que tu avais. Bah, j'ai beaucoup d'items offensifs donc. Assez difficile à dire. Mais là, je le considère à partir de maintenant. Tu vois, c'est là où. Donc là, je me dis que dans tous les cas, on est sur un lobby Prisma. Lobby Prisma en early, si t'es trop faible, tu te fais atomiser donc il faut au moins un tout petit peu que tu te défendes. Donc je suis obligé de pré-push. Je peux rentrer, je crois, une Senna, je lui mets un arc, je reste ouvert sur mes options. Paire de Thresh, paire de Senna, paire de Tristana. Donc on patiente. Et là, je me prends une baffe. Moins 8. Paire de Senna, paire de Thresh. Et là, bon, ma frontline, c'est pas possible. C'est pas déjà mieux. Léo Thresh. Le problème, c'est que je mets quoi sur Léo et Thresh? C'est quoi les items que je mets? Je mets l'armure sur l'un des deux, et après, avec la BF, je fais quoi? Donc là, je me dis, bon, bah, peut-être que je vais garder mes options. En gros, je sais que je suis faible, je suis même trop faible. Paire de Tristana, paire de Senna, paire de Thresh, paire de Tam, open Jinx pour le level d'après. Je peux pas. Bon. J'ai oublié de patienter. Oh là, Aimso ! Attends, on va à Aimso alors. Vous dites qu'il est en train de faire un taf là ? Perdre des golds. Hein. Après, il est en train de faire un vilain comeback ? Quel beau gosse. T'as combien de gold là? 91. Je vais roll un petit peu mais. Ok, les OED. Joli. Oh, triple Zeki. Et je peux faire.
Nice, il est de l'autre côté. Oh, le Corki qui va défoncer la sauna là-bas. Pas mal. Oh non! Oh, ça c'est un peu unlucky quand même. Hein. Fin de rush. Putain. Dommage. GG, ouais. Bon, il a bien comeback, hein, ouais. GG. Top 2. Tâche de regard et il perd son round, unlucky. Alors, on était où? Peut-être que tu dis que tu gardes des options, mais tu prends pas la Naimi car tu as un Sylas, push 6 après, tu as 3 mages avec Nami. Alors ok, mais en fait, ce qu'il a, avec tout le respect que j'ai, c'est un mauvais choix, que tu es en train de dire. Parce que la Nami avec mage, lorsque tu n'as pas un setup correct, je pense qu'il est pas bon. Et je n'ai pas de Sylas actuellement. En fait, tu ne joues pas vraiment mage dans ce setup-là. Pourquoi tu fais pas 20 gold? Bah, je fais pas 20 gold parce que en fait, j'ai envie de considérer mes options parce que je me sens trop faible. C'est-à-dire que là, si j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression que si je fais 20 gold, je fais exploser tout le stage 3, je me prends moins 10 en boucle. Alors que si j'ai Senna 2, si j'ai Thresh 2, si j'ai Tam 2, il y a un truc qui peut m'aider, quoi. Peut-être que j'aurais dû virer les gardiens, hein, tout simplement. Sauf que là, bon, j'ai rien. J'ai rien dans mes shops. Et là, je me dis, putain, j'ai 2 Yone, j'ai pas mal de dégâts AD. C'est là où je me dis, ok, peut-être que là, je vais faire une petite transi avec Yone qui tient le stuff de l'autre, là, vous voyez. Et ça, je pense que c'est ce moment-là où peut-être je fais une erreur dans la game, mais je sais pas si c'est correct. Ouais. Parce que là, en plus, j'ai la BT, je me dis, putain, en fait, j'aurais peut-être dû prendre Yone pour Titan. Et c'est là où j'ai pas fait. Voilà, et là, en fait, c'est le moment où j'ai... En fait, j'ai Sylas, donc du coup, je me dis, ok, là, j'ai Sylas, donc peut-être que je vais repartir sur ma composition à la con. Et vous voyez, là, j'ai quand même beaucoup d'options de jeu, et finalement, j'en fais rien, quoi. Et là, je me retrouve avec ce setup-là qui est impossible, quoi. Et là, c'est mon erreur. Sauf que tu peux pas roll au level 6, j'ai pas d'upgrade de frontline, là, c'est le moment où je ne sais pas comment faire. Parce que je ne peux pas roll au 6, mais en même temps, je suis faible, et en même temps, j'ai pas d'argent. Là, j'ai oublié de roll, en fait, maintenant. Je vois pas d'autre chose. Là, il fallait trouver un porteur de Titan BT. Voilà. C'est le seul truc, la grosse erreur que je vois de ma game, c'est ça. Là, je suis obligé de roll un petit peu au 6. Mais... Sauf que à chaque fois que je roll au 6, à chaque fois que je roll au 6, je perds ma game. À chaque fois. J'ai tout le temps essayé de faire ça. À la soirée partie, les games où j'ai perdu, c'était... C'est ça. Et là, ça me saoule le jeu comme ça, en fait. Mais je vois pas, avec les items que j'ai en plus... Parce que l'autre option, ça aurait été de faire Last Whisper et Gargoyle sur Sylas. Mais ça, c'est la version ancienne. On faisait ça il y a un mois. Mais... Tu vois, je sais même pas, en fait. Là, je regarde le replay, à part ce moment-là où j'aurais pu stab, mais j'aurais probablement rien trouvé. Je suis obligé de subir, et... Après, je me bouffe quelques dingueries, et... J'ai 20 HP, enfin tu vois, là j'ai 20 HP quand même, c'est critique. Donc oui, la seule option dans tous les cas là c'est de roll Siphon, mais en fait la game est finie. La game est finie là déjà. J'ai moins 80 HP en 10 rounds. Là c'est, quelle que soit la solution maintenant, ça sert à rien.
Mais tout ce qui se passe après, c'est... après le stage 4, il sert plus à rien. J'aurais pu roll plus pour avoir Siphon et pas jouer Corki. Enfin bref. J'ai l'impression que j'étais bloqué. J'ai l'impression que j'étais échec et mat à ce moment-là, quoi. D'avoir été échec et mat. Ah, attendez, je vais mettre les scores en haut pour ceux qui viennent d'arriver. Ouais, désolé, hein, j'étais en train de réfléchir, les gens. Merci en tout cas pour vos retours. Alors, au niveau des scores. Ah c'est ok, c'est ok. J'ai un bon mental les amis. Merci beaucoup, ça fait du bien d'avoir des encouragements. Mais c'est vraiment pas un truc que je pète généralement le mental. Je peux perdre plusieurs fois d'affilée et ça me dérange pas, mais j'essaie juste de comprendre pourquoi je perds. Là je me sens pas mauvais, genre je sais que je peux top 4 dans ces lobbies. Ouais, reroll augment peut-être, je sais pas. Clairement, mais reroll augment, je sais pas ce que ça pourrait être. Cybernetic Shell, c'est pas le pire truc. Hein. Après, quoique, un Cybernetic Shell prismatique, c'est pas incroyable. Ah, peut-être le prisma est pas incroyable. En fait, non, je crois que le gold est bien. J'ai une minute. Ouais. Ah, j'étais en mode, oh, il veut plus me parler. Ah non, je travailler sur le replay. Ouais, non, je pense que le Cybernetic Shell est bien en gold, en silver, mais pas en prisma, en fait. Déjà c'est un peu dur. Tu vois, mais en fait, t'avais vraiment trois... Genre, t'avais vraiment trois... augments bizarres, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et le... Tu aurais pris le... J'avais Pear Dimer. Est-ce que tu aurais pris le dépipé pour jouer Nomsi ou pas? Bah, c'est au quart. En fait, tu vois, si t'as Pear Hammer, c'est-à-dire que tu dois double dice Hammer avant de l'avoir 3 stars, et du coup, t'as encore un roll 5 Hammer potentiellement. Alors que si tu, genre, t'as, genre, imaginons 4 Hammer, tu fais un dice, t'as 5 Hammer, le dice d'après, tu peux pas avoir des Hammer, du coup, c'est forcément 5 tris, du coup, tu redice à tris 3. Et je pense que si tu peux débattre dans ce cas-là, c'est vraiment, genre, c'est dur, tu vois. Non, mais tu dice. Ah oui, ouais, c'est level 3, oui, d'accord. C'est si t'as Hammer 2, c'est bien, en fait. Enfin, ouais, entre guillemets. Ah non, même pas, si t'as 4 Hammer,